frette. Déjà presque un mois de vacances de passé. Certainement dû reprendre le chemin du boulot. On pense très fort à eux. Vous pouvez en commentaire nous indiquer la destination de vos vacances. Ou nous envoyer des photos de paysages par mail. Tous les renseignements en barre d'infos. Maman, pour papa et toi, plus qu'une semaine de boulot. Eh oui! Et pour fêter ça, il nous faudra une recette super fraîche. Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi. On se lave les mains et... Direction cuisine! Il faudra 100 g de céréales au miel, 60 g de beurre mou, 2 œufs, 100 ml de sucre, 350 g de fromage blanc, 1 citron, 20 ml de farine et 1 ml de sel. Chez Tupperware, le sucre, la farine, etc. se mesure en millilitres grâce aux cuillères mesure. Dans le Turbo Max, je mixe les céréales avec le beurre afin d'obtenir un crumble. Dans le moule rectangle, j'étale et presse le crumble pour former une couche compacte et régulière. Ça part au frigo. Je sépare les blancs des jaunes, puis zeste et presse le citron. Dans le bol pousse, je fouette les jaunes, le sucre, le fromage blanc, le zeste, le jus de citron, la farine et le sel pour obtenir une préparation bien lisse. Je monte les blancs en neige dans le Speedy Chef et les incorpore délicatement à la préparation. Je verse sur le crumble. Pour le coulis, il faudra 60 g de framboise et 45 ml de sucre glace. Dans le Turbo Max, je mixe les framboises et le sucre. «
Je verse le coulis sur la préparation fromage blanc et fais des dessins. Ça part au bas du four, préchauffé à 180 degrés pendant 35 minutes. Un moule en silicone ne se pose jamais sur une grille chaude. Pense à la sortir avant le préchauffage. Et voilà, encore une recette simple et rapide. Ce cheesecake doit se déguster bien froid. Idéal pour l'été, il est très léger et finira vos repas en beauté. Si vous voulez gagner cette fiche recette, il vous suffit de jouer avec nous sur nos réseaux sociaux. Les liens en barre d'infos. Nous souhaitons une bonne reprise aux juilletistes et de bonnes vacances aux Aoussiens. Pour Maëlle et Fred Cook, pas de vacances, on se retrouve dans 2 semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.